Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on vous est toujours sur la chaîne Les Jeux du Cygne. On se retrouve pour une nouvelle aventure dans Préserve, puisque cette fois-ci, on va aller faire les puzzles du biome savane. C'est parti! Et du coup, on se retrouve sur l'écran du biome savane. Illustre bien ce qu'on va avoir comme petite chose. Et c'est parti. Donc vous allez pouvoir le voir, il y a des petites subtilités entre les différents biomes. Et du coup, on va pouvoir voir un peu ça. Je suis censé faire 34 points en arrosant. Alors, la petite subtilité. Dans la savane, c'est que quand on arrose, eh ben, les tuiles deviennent jaunes et non pas vertes directement. Et même si on les réarrose, elles ne vont pas devenir vertes. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent pour arroser 34 points, hein, 34 points. Je peux faire ça ici. Il me reste donc 7 points à avoir. Là, j'ai un 4. Et du coup, il me suffit d'un 3. Voilà. Ça, c'était juste de l'arrosage. On va pouvoir passer au niveau suivant. Alors, le niveau suivant, on a de la petite terre sèche, des petites montagnes et des choses déjà irriguées. On va devoir faire 186 points. Ouf, c'est quand même énorme, 186 points. On a un lac. On a de quoi arroser. Donc on a ici, c'est pas vraiment des roseaux, je sais pas trop comment je pourrais appeler ça. Et ça ne peut être planté que sur l'herbe jaune et l'herbe verte. Donc va falloir qu'on arrose, qu'on irrigue, d'une manière ou d'une autre. Ici par contre, c'est pire entre guillemets, c'est-à-dire que ça pourra être que sur de l'herbe verte, uniquement. Et on voit qu'on a trois animaux de chaque. Donc il va falloir faire ça de manière intelligente. Alors j'imagine que si je fais ça, je vais avoir quelque chose de plus ou moins continu pour faire 12. Ok. Par contre, du coup, ici, pour avoir de quelque chose de plus ou moins continu qui fait 12, ça va être là, ça va être du jaune, je pense. Donc, on pourrait mettre le flamant rose partout, sauf que l'éléphant, lui, ne peut aller que là. Donc, on va mettre ces éléphants, on va les regarder un petit peu, hein, parce que on est aussi là pour ça. Et on va mettre les flamants roses. On va regarder un petit coup les flamants roses. On a donc nos 186 points. On peut passer au niveau suivant. Alors, pour la suite, on a ici des petits arbres qui vont qui vont pousser soit sur du jaune, soit sur du marron. Et on a toujours ici les petits roseaux qui vont demander du vert et on a un seul étang, ce qui veut dire qu'il faut que je réussisse à réunir ces deux-là, sauf que si je les réunis, est-ce que je peux les planter? Oui, je peux les planter là.
Bah, je vais faire un truc que je fais jamais. Je vais planter ça d'abord. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite, je vais mettre les temps. C'est un petit peu de la triche, je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, mais effectivement, si on irrigue ensuite, l'écosystème ne s'en va pas. Et du coup, eh ben, on a 59 points sur 58, on est bon. On peut passer au niveau suivant. Alors, on a une grande chaîne. Voilà, je vais la mettre bien au milieu. Alors, on a 6 animaux, dont 3 flammes roses. Est-ce que le fait d'avoir 3 flamants roses est quelque chose qui m'intéresse? Oui mais non, parce qu'en fait on va mettre un flamant rose dans le marécage et un flamant rose en dessous des arbres. Alors j'ai une rivière. J'ai une rivière. Il faut que je fasse 206 points. Alors, je ferai bien comme tout à l'heure. Mettre d'abord ça. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pose mon fleuve. Je pose mon marécage. Et du coup, j'ai dit un flamant rose, un hippopotame, un éléphant. On va regarder un petit coup les hippopotames parce que on les a pas vus avant. Hippopotame, il est un peu caché, il veut pas venir. Et du coup, on va mettre les trois autres ici. On va regarder le petit fennec également. Voilà, donc on a 206 points. C'est parfait. On peut valider notre niveau. Et passer à la suite. Alors, il va falloir faire 96 points. On a 4 animaux. Et 12 de marécage. Ah, donc ça veut dire qu'il va falloir faire 2 biomes. Et qu'on va devoir utiliser notre hiver au mieux. Parce que j'imagine qu'il va falloir serpenter au mieux pour irriguer tout le monde. Alors, sachant que j'ai pas dit, mais une rivière, typiquement, ne peut pas remonter, elle ne peut que descendre. Ou rester au même niveau. Pas forcément besoin d'aller jusque là. Ah oui, je peux pas remonter. Oui, je viens de vous le dire, on peut pas remonter. Oui, donc je peux pas remonter par là non plus. Est-ce que je peux faire quelque chose d'intelligent comme ça, par exemple? Ça arrosera pas assez. Est-ce que ça arrosera pas assez? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ça arrosera pas assez. Si je veux pouvoir faire quelque chose d'intelligent. Ça, c'est pas intelligent non plus.
Est-ce que ça, c'est intelligent? Ça me permettrait de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faudrait que ces deux-là ne soient pas utilisés. Et 1, 2, 3, 4, 5, je suis pas bon. Donc ça, c'est pas intelligent. Si je me mets là, celle-ci ne sera pas irriguée. Ça, c'est complètement facultatif, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, je suis coincée. C'est pas ça, l'astuce. Est-ce que, par exemple... Je peux faire ce genre de choses là, ça va me permettre d'irriguer 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. J'arrive pas à avoir mes deux décalages entre les deux. Autre solution. Je m'occupe de faire la séparation à la main. Je peux pas remonter. Oui, je peux pas remonter. Bien sûr, je peux pas remonter. Si je fais ça comme ça, ici j'ai 5 d'un côté, ici j'ai 6 de l'autre, c'est nul. Si je fais ça comme ça, celui-là sera pas irrigué. Ça, c'était bien. Mais ça me permet pas de faire ce que je veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, je peux tester. Hein. Je peux peut-être faire quelque chose de 12. Et mettre 3 animaux. Je pense pas que ce soit ça qu'on attend de nous. Ouais, c'est ça. Il manque 10 points. Même un peu plus. Clairement, c'est pas ça. On va recommencer. Comment je peux diviser ça en deux zones plus ou moins égales et en irriguant la totalité de la chose? Si je fais quelque chose comme ça, je peux faire un 6 ici et je peux faire un 6 là. C'est dommage que là ça soit pas irrigué. Et effectivement, il manque 10 points. Pas facile. Et puis ce trou là nous complique un peu la vie. J'aimais quand même assez bien ça. Peut-être que je peux faire quelque chose de mieux. Alors si je m'arrête là. Je suis pas mal là, en fait. Mais j'y manque toujours 10 points. 10 points, c'est quand même assez énorme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce qu'il me manque qu'une tuile qui n'est pas arrosée.
Après, je vois que j'ai quand même 5 tuiles de plus. Je peux peut-être en fait utiliser mes... mon 5 de plus pour faire quelque chose. Pour faire un fleuve de 5 de plus. Pas facile celui-là, pas facile, hein. Ça demande à bien calculer, à bien se poser des questions. Peux irriguer là. Ici, là, ça sera pas. Faudra que je revienne. Est-ce que je vais pouvoir revenir? Oui. Est-ce que c'est intelligent? Non. Si je serpente. Comme ça. Comme ça. Alors j'ai pas arrosé ici. Faudrait que je regarde. Là, je suis à 15. Ouais, c'est un tout petit poil pas comme il faut. Oui, donc ça donne plutôt envie de partir par ici et de descendre comme ça. Oui, d'ailleurs, j'ai fait des 5 au lieu de faire des 6. Donc non, ça va pas du tout. Oui, je veux recommencer le niveau. Donc en fait, finalement, je verrai bien. Ah oui, mais je peux pas remonter là. C'est vrai que je peux pas remonter ici. Et si je fais ça, ça n'a aucun intérêt. Je me coince 5 tuiles. Faut quand même que je me coince le moins de tuiles possible, hein. Alors là, c'est pas ouf. Comment ça se goupille comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est absolument nul parce que je vais être obligé de les fusionner pour pouvoir poser mes tuiles. Donc ça, c'est nul. Ah, la rivière me pose plus de soucis que... que ce que je pensais. Puis j'ai très envie de la poser là. Est-ce que par exemple la poser ici, ça serait intéressant? Je peux pas faire le tour. Si je la pose comme ça chez ces trois tuiles-là, elles vont être irriguées. Mais pour quel intérêt? Pas énorme. Et je vais être plus ou moins coincé là. Et si je fais ça comme ça, bah, je suis coincé. Je suis coincé, ça marche pas. Ouais, ça non plus, ça marche pas. Hein. Je suis vraiment... je suis vraiment coincé. Je suis sûr que vous l'avez vu, je suis sûr que vous voyez ce qu'il faut faire. Mais je dois bien avouer que là, moi, je ne vois pas. Si je fais comme ça.
te irriguer. Mais j'ai toujours mes 4 tuiles qui vont, entre guillemets, me poser problème puisque j'ai pas assez de points. Je peux pas remonter. Par contre, je peux... Comment je peux faire ça? Parce qu'il n'y a qu'un endroit où il y a plein de place. Ici, je peux pas vraiment en fait irriguer et avoir de la place à côté. Ou alors je pars de là. Parce que je suis partie d'ici, mais pourquoi je peux... Non, je suis partie d'ici. Ouais, je suis partie d'ici. Je suis descendue et je suis arrivée là. Ici, je suis plus ou moins plus bas. Parce que si j'avance plus, j'ai plus d'espace. Enfin, en fait, si, je peux, mais du coup, ça me scindrait en deux. Mais est-ce que c'est pas aussi intéressant? Par exemple, je fasse 2 de plus. On va recommencer. Je vais reprendre le même principe. Donc ma rivière qui descend, qui fait le tour. Je vais aller jusque là. Comme ça. J'ai que 16 points, ça me paraît un peu tendu. Je vais faire un écosystème là. Un deuxième là et un troisième là. Ok, c'était ça. Il fallait faire 3 écosystèmes pour pouvoir y arriver. On va passer au suivant. Alors, on a un placement de départ. Des arbres, des marécages, 3 animaux qui vivent dans les arbres et 2 qui vivent, enfin 2 plus 1 qui vivent dans les marécages. Ok, et on a un seul petit lac. Ce qui veut dire que le lac il arrose 6 cases. Si on veut faire 12. Il va falloir se baser sur ces choses-là. Par exemple, en le mettant là, on a 3 ici, on a 4 là, ça fait déjà 7. Et on en aura 1, 2, 3, 4, 5 en plus. 7 plus 5. Normalement, ça fait 12. Sauf que du coup, je me retrouve avec une séparation ici. Est-ce que ça vaut pas mieux que je le mette par là? Oui, ça vaudra mieux que je le mette par là. Mais par contre, du coup, va falloir qu'on calcule. Donc, on va poser nos arbres sur les zones qui sont pas irriguées et qui nous intéressent. Et ensuite, on continue jusque là, par exemple. Je pose mon lac. Voilà. Du coup, on a dit un fennec, un flamant rose et un zèbre. Et on va aller regarder le petit zèbre. Voilà. On fait des petits cœurs. Voilà. Oui, vous pouvez... à fait faire des câlins aux petites créatures avec votre petite main virtuelle. Et du coup, on rajoute les hippopotames. On est super bien. On va passer à celui d'après. C'est parti. Oh, c'est un grand biome. Ok, donc on a 2 merveilles. Alors ici, c'est une merveille de type montagne.
Elle va nous donner des bonus et vous voyez, elle a une forme particulière. Donc on va devoir la poser avec cette forme-là. Et ici, c'est plus ou moins du blé. Hein. En vrai, ça serait plutôt du désert. La petite prairie, mais ça ressemble pas trop à une prairie. Et elle a cette forme-là. Ok. On a un petit peu de quoi aérer, arroser. Pas aérer. Hein. On a de la montagne. Et on a six petits lémuriens. Alors, on peut les faire pivoter, j'ai envie de dire bien évidemment. Sachant que j'en ai 14 hein, des montagnes. 14. J'aime assez par là. Voilà, je pose ma merveille. J'aurais peut-être dû poser mes montagnes avant. Que ça va faire quand même beaucoup de points qu'il va nous falloir. Ça, je pourrais le mettre par ici. Ça pourrait être pas mal, voire même par là peut-être. Sachant que j'ai pas non plus beaucoup d'endroits où arroser. Hein. Hop. En fait, c'est nul comme arrosage. Donc, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais mettre celle-là là. Oui, c'est guère mieux comme arrosage en fait. Donc je pose tous mes blés. Je vais finir de poser mes montagnes. Ça devrait être pas mal. Je vais pouvoir mettre une ici, peut-être une là. Ça me paraît quand même un peu chaud là. Je peux pas les arroser. C'est pas avec mes deux petits à un que je vais faire masse de points. Effectivement, là, je pense que niveau stratégie, c'était pas ouf. On va recommencer. Alors, du coup, niveau stratégie, c'était pas ouf du tout. Regardons exactement. Elle donne plus 30 par dalle d'habitat contigu. On va peut-être poser les montagnes d'abord. Et peut-être même qu'on va poser les montagnes de manière à l'entourer en fait. Je vais recommencer. Donc imaginons que je veux mettre ça. Comme ça me plaît bien. Je vais changer un peu l'orientation et avancer un peu. Donc si je le mets par ici. Ça veut dire qu'il faut que je mette une montagne ici, là, 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 sur les côtés encore. Ah, c'est ça. Hein. Ouais, sur cette, les trois là, sur cette ligne-là. Alors, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution parce que je suis pas sûr de pouvoir faire la même chose avec ça. Du coup, maintenant. Je peux au mieux comme ça et quelque chose me dit que c'est pas une bonne idée. Mais quelque chose me dit qu'on tient la bonne idée. Donc on va réfléchir un peu. Ça par exemple.
Je peux peut-être plutôt la poser par là. Ça me laisse tout le reste de la place pour ça. Donc du coup... on va se placer comme ça. Hop. Ces trois là. Les deux qui sont là. J'y vais doucement. Hein. Donc les trois qui sont là. Et les trois qui sont là, en ligne droite. Je peux mettre mes lémuriens dedans. Voilà, ça change pas grand chose. Et imaginons cette chose là. Je pourrais la mettre comme ça. Mais est-ce que comme ça je peux voir 12 tuiles à arroser? Puisque du coup j'ai plus grand chose à arroser. Hein. Oui, je peux en fait. Je vais pouvoir arroser. Je vais pouvoir faire un coup ici. Même là. Et un coup ici. Et un coup là. Et je vais pouvoir poser ça comme ça. Et du coup, si je pose ça comme ça. Ça veut dire que. Je peux mettre tout ça comme ça. Et du coup, il m'en reste 3. Donc, 1, 2, 3. Et je vais aussi mettre les lémuriens dedans. Et donc ça, ces deux cartes, ce sont des merveilles. Hein. Donc c'est vraiment du gameplay très particulier pour chaque merveille. Et je vous avoue que personnellement, j'ai un peu pas toujours de facilité à me souvenir de la forme des merveilles pour pouvoir les anticiper. Donc là, on est dans le mode puzzle, donc on les a par avance. Mais ouais, parfait. Ça a fonctionné. On a le bon nombre de points. On va pouvoir passer au niveau suivant. Et du coup, surtout, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode. On fera la suite lors du prochain. J'espère que ça vous a plu, que ça peut vous aider à réussir les petits puzzles par vous-même. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye !